Welcome to BCTV. Hi, I'm Christina, and I'm here at the Angel Investors Challenge 2011, and I'm sitting here right now with the co-founder of InVup, Aude-Olivier Dufort. Merci beaucoup pour le temps que tu prends avec nous. Alors, vous venez de gagner un prix. Alors, comment est l'expérience à date? On travaille fort, puis on aime qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est bien de voir que ça donne des résultats, puis que les gens sentent la passion qu'on a pour le projet. Parlez-moi un peu d'InVup. Qu'est-ce que c'est InVup? InVup, c'est une plateforme pour les entreprises pour gérer leurs programmes de bénévolat et de donations. Donc, on utilise les dynamiques de jeu pour motiver les employés, et également les médias sociaux pour améliorer leur image de marque. Est-ce que vous avez des concurrents dans le marché? Oui. On a deux compétiteurs principaux, donc Volunteer Match et Angel Point. On se différencie principalement dans notre utilisation des médias sociaux et des dynamiques de jeu. Donc, également notre software as a service est accessible à toute grandeur d'entreprise. Que ce soit pas seulement les Fortune 500 companies qui peuvent s'impliquer dans la société. Que ce soit même un bureau d'avocats, par exemple, quelques dizaines d'employés. Okay. Alors, est-ce que c'est un produit qui est présenté juste en français? Or are we global or speaking English, espagnol? We are working in Boston right now, so the product is only in English right now. So although I'm still French and francophone, we are very conscious of the opportunities abroad. Okay. Et en parlant des opportunités, est-ce que vous cherchez le financement? Oui, on cherche du financement en ce moment. 450 000 $ pour engager des programmeurs, pour vraiment livrer la marchandise. En ce moment, on a plusieurs clients potentiels très importants. Okay. Puis là, on a besoin de vraiment, on a un bon momentum du côté business, de vraiment livrer la marchandise. Puis le revenue model dans ce cas, c'est quoi exactement? C'est des inscriptions annuelles basées sur le nombre d'employés pour chacune des entreprises. Alors, vous avez un beau projet devant vous. Alors, je vous souhaite de bons succès. Et merci beaucoup. Puis félicitations pour ce soir. C'est excitant. Merci, c'était gentil. And thank you for visiting BCTV and come back again real soon. Yeah.